لو انت باش تنتخب لي ماكش باش تنتخب ولا باش تنتخب لي نعرفك لي لا انت لا صاحبك صباح الخير صباح الخير بيلي شفت جتني لو 6 لو 6 لو 6 ان شاء الله عايشك ميرسي C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on reste très indépendant et très libre dans notre tête. C'est-à-dire, on ne doit rien à aucun parti. Là, ce qu'on doit, c'est à la commune et aux habitants de Sidi Bouzid. Ce n'est pas du tout les partis politiques. Je crois que les gens en ont ras-le-bol des partis politiques. Et moi-même, j'en ai ras-le-bol des partis politiques. On en a marre d'être sous le joug de ces partis hégémoniques. Il y a deux partis qui nous ont bouffés dans le pays. Donc aujourd'hui, on se dit, on ne va pas leur laisser la place. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est engagé. Donc trop les 11 partis, non, parce qu'on se sent totalement indépendant. On a dit que le couscous, on a dit que tu es revenu. Tu as dit que le couscous est hâble. Chahitni d'ailleurs. Et c'est après que je me suis dit, pourquoi pas, oui, après tout, si on se présente, c'est aussi pour être à la tête de la mairie. Et oui, on veut gagner, oui, être maire. Et pourquoi pas une femme? Une femme, oui, ça serait intéressant. Une femme qui serait dans la culture. Et je pense, voilà, donc, et je suis entourée d'une équipe absolument extraordinaire. Donc en fait, nous avons fait des rencontres citoyennes à la galerie. J'ai presque pas travaillé en 2011, de 2011 jusqu'aux élections, pour justement faire plusieurs rencontres. Et d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de... par exemple, Junaïdi Abdeljawed, Jmeat El Massar, Jmeat El Takatel, Razi Rairi, sont venus dans ma galerie et c'est devenu un café, parce que c'était pas, mais en tout cas une rencontre citoyenne. Donc il y a eu un engagement de ma part. Il faut être clair, ils m'ont utilisé, je veux dire, c'est clair, dans le sens qu'ils avaient besoin d'une tête, d'un nom connu à Sidi Bouzid. C'est clair qu'ils ont. C'est pas pour mes beaux yeux. Et moi-même, aujourd'hui, je les utilise puisqu'ils m'ont permis d'être. Donc je crois que c'est aujourd'hui, nous sommes quittes. Je suis très franche là où je... Voilà. Donc je ne dois rien absolument. Je dois surtout aux électeurs et aux personnes qui vont nous élire. Je crois qu'on doit plus aux citoyens de Sidi Bouzid qu'à personne d'autre. C'est eux à qui on doit rendre des comptes un autre jour s'ils nous ont donné leur voix. C'est eux nos électeurs. Leur galerie, je suis absolument toutes les casquettes avec les artistes avec lesquels je travaille. Et donc, je suis un peu leur pilier, quoi. C'est important. Quand ils ont un problème, c'est « Allô, Aïcha ». Et je pense que, quelque part, la question que vous me posez est assez intéressante. Donc, vous me dites « Oui, je pense que par rapport à être à la direction d'une mairie, on est à l'écoute du citoyen, comme on est à l'écoute de l'artiste. » Donc, aussi, il y a quelque chose de très similaire. يعطيك الصحة ناقصين ثقافة دونك لازمك نمرو 6 مال ما عندناش الحق باش نقولوا لا خاطر المرة الأولى اللي باش تصير انتخابات حرة في البلاد هذه انتخابات بلدية دونك على هكا قلت إي على هكا قلت إي والناس يقولوا لي مانيش باش نمشي ننتخب كيفاش ما تمشيش تنتخب الناس دفعت باش تكون هالحق هذا موجود في البلاد هذه دونك حق من حقوقك انت كمواطن باش تمشي تنتخب الناس اللي تحب عليهم قلتلكش انتخب لينا هذا كان نقول لهم قلتلكش انتخب لي لينا اما بربي امشي انتخب بربي امشي امشي حق من حقوقك